Au-delà de ces considérations qui se rapportent, puisqu'on sait finalement qu'il y a un article 7 de la Déclaration des droits de l'homme qui considère qu'une constitution, c'est d'abord droit et liberté, une constitution, c'est ensuite les institutions. La deuxième partie est donc consacrée aux institutions qui ont été qualifiées par l'avant-projet de constitution de la République. Ces institutions de la République, pardon, sont de trois ordres. Premièrement, les institutions gouvernantes. Deuxièmement, les institutions juridictionnelles, il n'est pas écrit judiciaire. Troisièmement, les institutions d'appui à la gouvernance démocratique. Pour ce qui concerne le premier aspect se rapportant en l'occurrence aux institutions gouvernantes, nous avons le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Pour ce qui se rapporte aux institutions juridictionnelles, nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, la Cour des comptes, la Cour spéciale de justice, le Conseil supérieur de la magistrature. Et enfin, pour ce qui se rapporte aux institutions d'appui à la gouvernance démocratique, nous avons la Commission nationale pour le développement dont le président du CNT faisait cas, la Commission nationale de l'éducation civique et des droits de l'homme, l'organe technique indépendant en charge de la gestion des élections. Concernant le pouvoir exécutif, n'est-ce pas, dans lequel sont classées les institutions, le président de la République. Le président de la République est élu au scrutin majoritaire à deux tours pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois, ce qui est finalement une constante. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats de président de la République de sa vie. Le candidat à l'élection présidentielle doit obéir à un ensemble de conditions substantielles. Conditions d'éligibilité aux fonctions de président de la République. Il convient d'abord d'être guinéen d'origine, né des parents dont un au moins est guinéen d'origine. Avoir sa résidence principale en République de Guinée, jouir de ses droits civils et politiques, être certifié en bonne santé physique et mentale par un collège multidisciplinaire des médecins assermentés institués par la Cour constitutionnelle, être âgé de 35 ans au moins et de 80 ans au plus, être présenté soit par un parti politique en conformité avec la Constitution et les lois, soit à titre de candidat indépendant remplissant les conditions de parrainage. Joindre une copie authentique de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Quelques principes, la démarche est exemplative et non exhaustive, régissent les candidats dans la conduite des campagnes électorales. D'abord, premièrement, le principe d'égalité des candidats en termes d'accès et d'utilisation des moyens de communication et d'information publique pendant la campagne. L'obligation des candidats à l'élection présidentielle de participer au débat obligatoire, donc radio-télévisé organisé au premier et au deuxième tour par la commission de régulation de la communication et de l'audiovisuel. Le terme obligatoire, le qualificatif, n'est pas un lapsus, Monsieur le Président, sous votre contrôle, c'est juste que je ne l'ai pas noté dans le rapport. Donc c'est bien un débat obligatoire. Deuxièmement, nous avons des exigences préalables que nous avons choisies de manière exemplative du Président de la République élu. Premier aspect, c'est l'incompatibilité aux fonctions du Président de la République élu de la détention d'une nationalité autre que la nationalité guinéenne et l'obligation de renoncement dans le délai requis. Il ne s'agit pas d'une erreur de droit, ce n'est pas une condition d'éligibilité, mais d'incompatibilité. La prestation de serment du président de la République devant Dieu et devant le peuple de Guinée, l'obligation... Monsieur le Président, permettez-moi de dire bienvenue aux honorables religieux, parce que j'ai totalement occulté cet aspect. Maintenant que je suis arrivé à Dieu, je me suis rappelé. Merci. Désolé. Ok. L'obligation du président de la République de déposer à la Cour constitutionnelle de la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens au début et à la fin du mandat. Quels sont donc les pouvoirs du président de la République? Les pouvoirs du président de la République sont définis, encore une fois, puisque le président a annoncé les exigences philosophiques qui ont commandé chaque choix constitutionnel. Les pouvoirs du président de la République sont définis avec le souci de l'équilibre entre la nécessité de lui accorder les moyens de gouverner et l'exigence de prévenir son hégémonie dans le fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi, d'abord, nous avons consacré la reconnaissance au président de la République des pouvoirs inhérents à son statut d'arbitre, de garant du fonctionnement régulier des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Il a été également reconnu au président de la République
le pouvoir d'orienter et de contrôler la mise en œuvre de la politique de la nation, le pouvoir réglementaire, le pouvoir d'accréditer les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États et des organisations internationales, le droit de grâce, le droit de prononcer une fois par an le discours sur l'état de la nation devant la conférence des institutions et des élus locaux convoqués par le Parlement. Mais si ces pouvoirs lui ont été consacrés, encore une fois, c'est une démarche exemplative, les attributions constitutionnelles du président ont été considérées comme à encadrer, non pas en termes de suppression, mais en termes d'accroissement des interactions. L'encadrement du pouvoir de nomination du président de la République aux hautes fonctions civiles et militaires. Dans le rapport d'abord avec les organes exécutifs et les organes et les dirigeants des administrations assimilées. Premièrement, la définition des critères de choix des personnes à nommer aux hautes fonctions civiles et militaires, le président de la République nomme sur la base des principes de probité, d'inclusion, de compétence et de représentation territoriale. Deuxièmement, définition limitative dans une loi organique des hautes fonctions civiles et politiques auxquelles le président de la République nomme. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de Premier ministre et des membres du gouvernement à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées. Soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de gouverneur et de vice-gouverneur de la Banque centrale, des directeurs de régie financière de l'État, des premiers responsables des corps de contrôle de l'État à l'avis préalable du Sénat consécutif à une séance d'audition à huis clos des personnes proposées. Dans les rapports avec les forces de défense et de sécurité, soumission de la nomination par le président de la République aux fonctions de chef d'état-major général des armées à l'avis préalable du Conseil supérieur de la défense nationale consécutif à une séance d'audition à huis clos de l'officier proposé. L'encadrement strict des conditions de recours au référendum législatif par le président de la République, exigence de l'avis favorable du Parlement réuni en Conseil de la Nation à la majorité des deux tiers de ses membres, le Conseil de la Nation étant la réunion effectivement des deux chambres du Parlement, exigence de recueil de l'avis préalable de la Cour constitutionnelle sur la conformité du projet ou de la proposition à la Constitution avant de convoquer les électeurs par décret, exigence d'une participation minimale de 50% des électeurs inscrits sur les listes électorales pour que le référendum soit pris en considération. Les 50% ne sont donc pas finalement des conditions de détermination de la légitimité du processus, mais de la validité du processus.